Ne trouvez-vous pas qu'une clôture est une création étonnante? Votre voisin en installe une et tout à coup, 1 égale 2. Vous avez vous aussi une clôture. Il n'y a qu'un problème. Seul votre voisin a conçu la clôture, seul votre voisin l'a construite. Et seul votre voisin a payé pour elle, alors que vous, vous jouissez gratuitement de cette magnifique clôture. Je n'ai pas volé vos idées. Monsieur Edison? Oui. Merci. Dites-moi, j'aurais quand même une petite question. Je suis sûr que vous en avez plusieurs. Je vous aurais bien invité à dîner, à nouveau. Mais j'imagine que ce ne sera jamais le bon moment. C'est l'ampoule de 13 heures. Vous voulez que je vous explique? Je sais comment elle fonctionne. Je sais que vous savez, oui. Seulement, je me demande ce qu'on ressent. Quoi? En voyant l'ampoule. Quand vous avez su. Je me demande ce qu'on ressent dans ces moments-là. Difficile à dire, en fait. Il est impossible de décrire ce que l'on ressent parce que la chose était impossible. Des années de travail, 10 000 filaments différents. Quand nous avons placé le fil dans l'ampoule, comme toujours, nous avons fait nos paris. Puis le générateur s'est mis en marche et l'ampoule s'est mise à rougeoyer. Nous nous attendions à un nouvel échec. Mais il s'est passé quelque chose. Vous voyez, nos meilleurs filaments n'avaient duré que 10 minutes. Et celui-ci approchait les 20. Alors les gars ont commencé à se féliciter. Puis 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, tout le monde s'est mis à hurler. Rappelez-vous, nous n'avions jamais dépassé les 10 minutes. Les gars se sont mis à grimper au mur en s'arrachant les cheveux. Parce qu'on voyait l'impossible. 7 heures, 8 heures, 9. Nous étions silencieux en arrivant à 10. Nous étions assis autour de cette ampoule brillante, ivre de notre magie, la fixant comme si c'était, je ne sais pas, l'enfant Jésus jouant du Mozart. Après 13 h 30, le verre s'est brisé et j'ai su. Le monde ne serait plus jamais le même. Je travaille à présent sur quelque chose de tellement nouveau que tout le monde oubliera que mon nom fut un jour associé à l'électricité. Je me demande si vous savez déjà ce que c'est. Vous savez, je crois que la solution, c'est de partager le coût de la clôture. Ou de ne pas élever de clôture, du tout. Votre jardin deviendrait 2 fois plus grand, n'est-ce pas, Tom? Ce fut un réel plaisir. Profitez de l'exposition.